vous expliquer brièvement l'entraînement de ce soir. Quatre équipes, il y aura une conserve ici, donc forcément pas le même thème. Ensuite, vous allez enchaîner sur la tactique. Ok, donc ça vous allez pas aimer forcément parce que ça va être du jeu sans ballon et ça va être important pour nous pour dimanche et surtout le match de Coupe de France. Ensuite, vous allez enchaîner sur un fractionné avec Romain, nous allons finir par du 11 contre 11. Bon, les maillots vont pas tarder à arriver, hein, normalement vers fin septembre on devrait présenter ça, je suis trop pressé de vous les montrer. Raïm, tu les as vus, t'en as pensé quoi toi? Ils sont trop beaux. Oui, moi je ne fais qu'attendre. Tu préfères domicile ou extérieur? Tu me connais, petite préférence sur l'extérieur, je sais que toi. Toujours sur l'extérieur. Toi t'aimes bien le domicile. Mais c'est normal, cette année ça change un peu. L'extérieur, j'aime beaucoup. Non, l'extérieur est beau et des nouvelles couleurs. Nouveau sponsor, donc Unibet sur le ventre, on l'a dit dans un épisode précédent. Petit point important, ils ont lancé une série qui s'appelle Au cœur du football. Si vous aimez ce genre de vidéo que vous voyez avec Unis KFC, c'est un peu le même délire, ça dure 5-6 minutes les épisodes. Et c'est des clubs en fait voilà qui jouent, qui ont une petite histoire. Il y a une première vidéo là. C'est ça, il y a un premier épisode qui existe déjà, il y a la miniature qui est juste là. Dans la description, vous met le lien si vous voulez aller voir et l'épisode 2 sortira très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Moi j'ai bien aimé les premiers épisodes, en plus ça parle d'un club de Marseille, Atlético de Marseille. Moi je voulais pas faire. Mais ça te fait du bien d'avoir une raison sur ce côté drapeau. Une fois tu voulais pas aller, c'est bien, fais pas faire la tête. Finir. Parlez plus. Bien joué, Dimon. 2, 3, 4, 5. Faut que j'interview le buteur de ce week-end. Alors, premier but pour l'Unis KFC. Premier but, hein. Ah, j'étais surpris, je pense pas marquer. Ouais. Là, bah, l'arrivée directement, j'ai tiré. Hein. Ouais, franchement, beau but. Hein. Ah, merci, merci, avec plaisir. C'est ton premier match de Coupe de France ou pas? Non, pas mon premier match. Ah, t'as déjà joué en Coupe de France? Apparemment. T'as de l'expérience alors? Un petit peu, un tout petit peu. Ouais, je t'enverrai ta célébration, ça m'a bien fait rire au montage. c'est toi qui leur as appris à faire ces célébrations dimanche dernier ou pas? Ils ont fait quoi comme célébration? T'as pas vu quand ils ont fait leur petite danse et tout? Ah non, j'ai pas vu, mais ils dansent très très mal en plus, c'est super, alors bon... Ouais, bah franchement, c'était pas si mal. C'est vrai, sur les vidéos, ça... Ouais. Ah, je te l'enverrai, c'est vraiment pas... Non, moi je les ai vus dans les vestiaires, ça dansait moyen, mais tiens, le v'là, voilà. Il manque un joueur. Et pendant un mois, je suis un peu le comique de situation. Mais il a rien dit, Vincent. Mais regarde. Si, on a brainstorm. Ah ouais, on a brainstorm. Il m'a envoyé un mail, mais si tu regardais tes mails... Et en gros, je suis... En copie, donc. Je suis là pour détendre l'atmosphère. Excellent. Voilà, exactement. Donc si t'as besoin. Va détendre avec moi que je regarde. Il est plutôt là-bas. Plutôt là-bas. Toi, c'est vrai que t'as l'air bien là. Ouais, je te le laisse parce qu'il est bien. Je vais aller détendre, Max. D'ailleurs, faut que tu nous expliques un peu ta blessure parce que finalement. Bah, ça, c'est blessure. C'est parce que j'ai. Bah, viens, coach. Je vais dire la vérité. Donc, en fait, j'ai tout donné. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Le coach m'a demandé beaucoup d'efforts sur le match de Coupe de France. Sur quel geste tu t'es blessé, Raïm? Alors, un crochet. Un crochet simple. Qui précédait une roulette, Raïm? Non. J'ai juste récupéré la balle. Allez voir le live Twitch. C'est marqué. J'ai récupéré la balle. Je me suis battu. Là, c'est comme si quelqu'un m'avait tiré dessus, je vais pas mentir. Au début, j'ai même cru que les supporters m'avaient eu, mais non, en fait, c'est moi tout seul, donc je me suis claqué. Mais ça, je sais pas si c'est pas parce que j'ai fait trop de préparation. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait un peu trop de préparation, que j'ai un peu trop tout donné. Et peut-être que si les coachs m'avaient sorti un peu avant, en voyant que j'étais un peu fatigué et que je faisais le pressing sur 4 mecs, peut-être que ça aurait pu être évité. Mais je crois en mes coéquipiers, on va tout donner. Et puis maintenant, on est là pour donner de la joie et de la bonne humeur, hein, Romain? Excellent, voilà, voilà. Super content parce que pour une fois on a fait une prépa complète, ah, c'est ce que je à disais. Peu près complète, franchement même complète je pense, avec une vingtaine de joueurs en moyenne à chaque entraînement. Et du coup bah je pense que ça récompense un peu. En fait ça paye. Hein. De toute façon le travail, il y a que ça qui paye. Voilà. Donc franchement je suis archi fier de l'équipe. Et quelque part, les choix qu'on a fait en fin d'année dernière pour cette année, bah du coup... sont payés. Bon, on va se gratter la tête pour faire les équipes le dimanche, on va pas se mentir. Mais quelque part, ça fait du bien parce que ça booste les joueurs, mine de rien, à venir aux entraînements et à être sérieux aux entraînements, parce que depuis le début, les entraînements sont plutôt sérieux, ça bosse dur et ça fait vachement plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je sais pas si ça se ressent en vidéo, les mecs. Ça prouve tout. Mais ça fait plaisir. Mais t'as un pouce bleu d'ailleurs pour ce qu'il vient de dire, c'est très beau. Pouce bleu.
savez comment il faut qu'on joue. Ok, on l'a rebossé cette semaine à l'entraînement. Romain, vous connaissez la tactique qu'il vous donne pour le repli défensif. Ok, protéger le cœur du jeu, ça vous le savez le faire. Et offensivement, vous savez que ce que je vous ai demandé cette semaine à l'entraînement, pour ceux qui étaient au milieu ou en attaque, le jeu rapide. Ok, votre objectif, c'est de passer d'un côté à un autre, ou vraiment de changer de jeu de façon rapide, en moins de touches de balle et en moins de passes possibles. Ok, donc je compte sur vous, j'ai pas besoin de vous rentrer dans la gueule, je vous rentrerai dans la gueule à la mi-temps s'il faut. Ok, là, vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous êtes des bonhommes. Vous m'avez fait un match super la semaine dernière, donc je compte sur vous pour me refaire exactement la même chose aujourd'hui. On est juste avant le premier match du championnat, ça fait vraiment plaisir. La Coupe de France, c'est particulier, tu vois, il y a quand même la petite magie de la Coupe et tout. Mais en fait, la priorité et la vraie pression, entre guillemets, c'est quand même autour du championnat. Parce qu'on sait, après pas mal d'années maintenant avec le club, qu'on a le droit peut-être au max à une défaite, voire peut-être deux, ça dépend des adversaires. Mais en gros, une saison, ça se joue à rien si on veut monter. Donc voilà, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a une très très bonne équipe, on joue très bien. Dans les commentaires, merci beaucoup pour tous les retours, les messages, le soutien que vous avez balancé, ça fait très plaisir. Normalement, sur papier, on a de quoi gagner, mais ça reste le foot, hein, vous le savez. Pour ceux qui connaissent vraiment le foot amateur, vous savez que rien n'est gagné d'avance. Donc on va donner le maximum et on espère vraiment la victoire, du coup, pour commencer au mieux ce championnat. Bon, Arthur, premier match de championnat, ouais. Comment tu le sens? Franchement, je pense qu'on va être bien. On s'échauffe bien là, on est dedans, on est concentré, on parle pas trop, etc. Donc je pense que ça va bien se passer, hein. Franchement. La prépa s'est bien passée? Ouais, franchement. Moi j'avais un peu mal à la cuisse la semaine dernière. Du coup j'ai fait un entraînement de repos. J'ai repris jeudi tranquillement et là ça va mieux, du coup je suis prêt. Hein. Je prends un découdre. D'accord, il fait beau, toutes les conditions sont réunies ensemble. Mais là... C'est parti. Allez, faut pas croire. Par contre, c'est bien joué. J'aime bien, c'est chaloupé ça. J'aime bien le petit goal chaloupé. Ils jouent en quoi? Ils jouent en blanc. On joue en blanc, nous, et eux, ils jouent en noir. Ouais, Guinée. Jonathan. Faut y aller. Faut y aller. Le ballon peut-être dans la surface de réparation. L'appel du numéro 9 qui est passé, il tente de jouer en retrait, mais ça va être. Oh, il est pas attaqué, attention. Chaud du coup, rentrer pour Verneuil. Et ça passe derrière. Voyez-moi la balle en l'air là. Voilà. Allez, c'est parti. Bien joué, Arthur. On rejoue avec Chris. Chris qui essaie de déborder. Allez, faut remonter ce bloc là. Faut remonter ce bloc. Oh, désolé, je suis off. Vous avez vu le tirage de la Coupe de France 4ème tour, on est tombé sur tremplin. Une équipe de D1 pareil du 81. Oui, allez, vas-y. Box. Oh, bien tenté, bien tenté, c'est bon, là. C'est bien. Il peut pas. Ça part avec le numéro 10 à gauche. Bien joué, Dimé. Allez, c'est parti, il va même obtenir le coup. Oui, allez. Ça,
Allez mon gars, le cadre. C'est Lance. C'est bon ça. Rentre. Oui. Super ça. Mais en vrai, le club c'est une caisse. Ah bien joué, bien joué. Super, Nathan qui récupère. Allez Arthur, faut faire l'appel là. Allez, allez Arthur. Bien joué. Allez, faut changer ça. Super, allez. Enfin une action un peu construite. Le match de Marseille est payant, c'est pas bête, c'est tout, c'est gratuit. En plus, il y a du collet de la mort. Mais il paraît que sur le match de Marseille, il y a du collet de la mort. Sans regret d'avoir du collet avec Christian sur le passe. Attends, tu veux pas jouer, tu dois jouer ça. Non, faut lui remettre, faut lui remettre. On avait la même idée. Faut lui remettre. Va pour voir, va pour voir. Ah, et la spéciale, ça c'est la spéciale d'Herman, mais derrière, faut bien s'en sortir. Non, Herman. Il n'y a pas vu.
aimes ce qui finit? Oh, l'arbitre a dit oui. Il est généreux. Les gars, c'est pas grave. Il est généreux. Et lui aussi, il est pas en jeu. Hein. Ouh, par contre, lui, il est pas en jeu. Lui, il est pas en jeu, le numéro 9, attention. Bien la frappe, ouais, elle est derrière. Ne cherchez pas à exploser et à vous ruer à l'attaque. Si on prend un compte, ça fait 3-1, si on marque un but, ça fait 4-0, c'est des maths. Mais le premier quart d'heure, c'est le plus important, ils vont craquer. Physiquement, ils sont déjà cuits, donc le premier quart d'heure, ils vont craquer. Okay, juste soyez solides défensivement et dès qu'il y a un coup à jouer, on le joue. Mais vous allez le voir, ça va se décanter au fur et à mesure. Mais le premier quart d'heure, c'est le plus important. Franchement, depuis qu'il nous a dit qu'il fallait jouer comme ça en triangle, c'est incroyable. On est injouable, je crois. Ah oui. Thank you.
Mec, c'est lui qui met un quadruplé aujourd'hui. Merci. Promets de la saison, ça va arriver, ça va suivre. On espère en tout cas. Prochain vraiment. Match. Très bon match d'Arthur. Chacun allez venir me mettre une ticket, une ticket dans l'oreille. Deux. Une pour le retard et une pour le pénal. Voilà, c'est ça. Attends, la tête là. Le jour. Une, t'arrives en retard de 40 minutes. Une, ça va, ouais, ça y est, ça là, donne-moi